Semaine. Chers amis, je vais vous demander s'il vous plaît de vous rapprocher. Vous savez que le public français, on a une réputation internationale. On sait accueillir les groupes de country qui viennent de l'étranger de manière admirable. Et même les chanteurs de ce groupe me l'ont dit, le public français c'est quelque chose qu'on apprécie particulièrement. Donc je vais vous demander s'il vous plaît de vous rapprocher. Vous savez que tout musicien a besoin de jouer, comme on dit, devant un public et c'est important. Les premières minutes sont très très importantes pour eux parce qu'ils sont autant stressés eux que certains qui se mettent en compétition de danse. Texas Renegade, qui c'est qui connaît les Texas Renegade? Vous, donc c'est normal que vous soyez devant. Les Texas Renegade, c'est un groupe qui nous vient des Pays-Bas, de la Hollande. Ils jouent particulièrement bien, effectivement, ils sont dans le domaine de la country. Ils reprennent des morceaux et des standards de Garth Brooks. D'ailleurs, vous avez le chanteur qui ressemble à Garth Brooks, étonnamment. C'est ce que je lui disais tout à l'heure, je lui disais, tu ressembles à Garth Brooks, c'est incroyable. Ils reprennent des morceaux de M. Johnny Cash, des morceaux de Dwight Yoakam, tous les grands standards de la country, bien sûr. Ils ont fait les grandes scènes européennes, Craponne, bien sûr, en France également, l'Espagne, l'Italie, toutes ces scènes que vous connaissez sûrement. Et ils nous font le plaisir d'être avec nous. C'est eux qui ouvrent le festival de country d'Évreux, le troisième du nom. Je vous demande, comme vous savez si bien le faire, de les applaudir et les accueillir comme il se doit, les Texas Renegade. I knew the passage, but I knew you so long to leave.
Texas.